Bonjour à tous, ceux qui sont fans d'Europa Park ou qui découvrent le parc, enfin nos vidéos. Nous sommes un groupe de fans de parcs d'attractions, du parc Europa Park, qui est, on va dire, le meilleur parc au monde, le meilleur parc familial. Il y a comment dire, des manèges pour tout âge, pour les petits et grands. Enfin, à vous de voir. Ce que vous en pensez par rapport à nos vidéos. Désolé, vous entendez un petit bruit, c'est notre chat qui mange. Cette vidéo est faite aussi pour vous expliquer pourquoi on a été absent tout ce temps-là, en fait. Et la chance qu'on a eue dans dans ce malheur-là, en fait. Heureusement, on a tourné des vidéos avant, dont une qu'on a postée. Après, les autres, elles sont encore en montage. Mais ça, c'est. Ça sera posté dans plusieurs temps. Désolée, j'ai dû dégager un bout de mon canapé parce que mon chat il vient. Tout simplement pour vous dire qu'on a été absent suite au coronavirus. On voulait poster des rushs par rapport au nouveau univers aquatique Rulantica, mais on n'a pas pu parce que quand on a voulu filmer, on a appris qu'il fallait un truc sur la tête et non à la main comme on avait prévu. Du coup, tous les rushs s'est tombé à l'eau, quoi. Alors qu'on avait tourné l'intro et l'outro, machin, on avait tout tourné. Sauf les rushs dans le parc, quoi. Du coup, ça nous a un peu saoulés. Et puis, après, il y a eu cette histoire de coronavirus. Alors qu'on était prévu au mois d'avril d'aller dans le parc. Donc à Europa Park, et on n'a pas pu parce qu'il y avait le coronavirus, donc ils ont fermé les frontières. C'était un beau bordel. On a voulu décaler la réservation. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tu décales la réservation, mais les frontières ne rouvrent pas. Donc tu t'appelles, ils disent envoyer un mail. Enfin, ça a été un vacarme total. Vous aurez, je pense, une vidéo tournée par mon copain plus explicative, parce que c'est lui qui s'est occupé de la réservation. Suite à ça, on a appris que de base, on ne pouvait pas y retourner avant l'année prochaine. J'étais là, mais qu'est-ce qu'on va faire pour la chaîne? Les viewers, ils attendent des vidéos des autres manèges qu'on va pouvoir faire, ou de nouvelles, ou se promener dans le parc et filmer, enfin voilà, tourner des rushs là-bas. On s'est vu la grande galère. J'étais là, oh là là, comment on va faire? Heureusement, on avait déjà des vidéos qu'on avait faites, mais qu'on n'a pas postées. Donc au pire des cas, on aurait pu faire quelques montages et puis les poster durant ce machin. Et aujourd'hui, tout à coup, on a pété les plombs, on a regardé sur le site, on a vu que tout était vert. Mon copain a appelé pour voir par rapport à la réservation s'il y avait des disponibilités de telle date à telle date. Donc au final, on part du 19 au 26 juin. Je ne vous garantis pas d'avoir un montage pendant les 7 jours parce que. Enfin, les 8 jours, mais les 7 nuits, parce qu'on va profiter à fond de tourner des rushs, des rushs, des rushs, pour pouvoir, durant l'année, pouvoir vous en tourner, à part si on fait d'autres trucs, parce qu'on a aussi notre optique sur la chaîne, il y a beaucoup de trucs qui vont. Enfin, beaucoup, on a des idées, après, il faut les mettre en place, faut. Voilà. Dans le sens que, on va donc tourner des rushs, donc les montages, ça prend du temps. Faut savoir que j'ai un montage encore des vacances de Barcelone qu'on a fait qui date de février, que j'ai toujours pas fini parce qu'il faut mettre dans l'ordre, machin, enfin c'est un beau bordel et ça prend du temps parce qu'on veut faire de beaux montages. Surtout que là on a trouvé comment pouvoir faire les miniatures, comment faire ci, comment faire ça. Donc la chaîne ça va devenir un truc de ouf. Après, ça va pas être ouf ouf comme avant parce que, enfin, comme un youtubeur qui a 1000 abonnés, voire plus, parce que on débute, donc on fait avec les logiciels de montage qu'on a. Pardon. Et secondo, c'est moi qui fais les montages. Mon copain, il en fait, mais c'est plutôt des montages photos. Après, il upload des vidéos comme ça sans faire de montage. Ça lui fait plaisir. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais lui faire des miniatures, comme ça au moins il pourra les uploader aussi avec. Ça fera moins moche que. Voilà. Mais il faut savoir que les montages vidéo, ça prend du temps, du temps, du temps. Parce que, tu mets un petit truc là, un petit texte là, machin. Faut que tout coordonne, t'enlèves, tu supprimes ce qui va pas, machin. Faut que tout soit bien, parce que pas qu'il y ait une coupure entre deux.
Donc voilà. Après nous sur la chaîne, désolé du bruit, c'est j'ai reçu un message. Sur la chaîne, on a l'optique qui vient de faire un peu de gaming sur la Switch. On a aussi des challenges à faire. On a d'autres vidéos qui vont être tournées, telles que la vidéo où on se présente, parce qu'il y en a qui ne nous connaissent pas. On va essayer de mettre aussi les réseaux sociaux sur quoi on est, donc sur Instagram, sur Facebook, et puis sur YouTube vous avez déjà, mais Snapchat on a nos persos, mais je pense qu'on va en faire un pour la chaîne justement, mais tout sera au nom de Robavar. On a déjà justement Instagram et Facebook, c'est super fan Europa Park pour Facebook, pour notre page. Mais je pense qu'elle va se tourner en groupe, parce qu'on veut pas avoir de problème. J'adore quand on envoie des messages. Parce qu'à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est bientôt. On est dans l'après-midi, on est fin d'après-midi, donc voilà. Et puis j'ai Discord qui s'enjaille. Enfin bref, on va tourner ça. On va faire des vidéos gaming, mais il faut que j'aille acheter tout ce qu'il faut pour. Donc voilà, après. C'est pas n'hésitez pas, mais abonnez-vous, partagez, commentez, donnez-nous des conseils si. S'il y en a qui ont YouTube qui passe sur la vidéo ou sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à nous donner des conseils. À nous donner des conseils, enfin voilà. Venez même nous parler en privé. Sur Instagram, on vous répondra. Le plus qui pourra vous répondre souvent les questions par rapport au parc, ce sera mon copain. Donc, dès le moment où il y aura un message concernant le parc, ça va plutôt être lui. À part si j'arrive à vous répondre. Mais si j'arrive pas, ça va être lui. Je lui dirai qu'il y a telle question et il viendra et il vous répondra. Parce que lui, là, ça fait longtemps qu'il y va. Moi, j'ai été quand j'étais toute, toute, toute petite. Et puis, j'y suis retournée il y a 2 ans. Parce que quand j'ai rencontré mon copain, quoi. Du coup, voilà. Mais sans plus. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire. Après, je pense qu'il y aura une vidéo. Il y aura une vidéo explicative par rapport à mon copain, par rapport à ce qui lui est passé, s'il a envie d'en parler. Donc je vais dire peut-être, parce que je sais pas s'il a prévu de tourner une vidéo explicative de toute la bataille qu'il a eue pour avoir une putain de réserve, pour avoir une réservation. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas, je me répète, à vous abonner, à partager, à commenter, à parler autour de vous de cette chaîne. Et n'hésitez pas à nous contacter sur super-fan-europapark ou sur superfan-europapark, à vous abonner ou à liker, ça dépend si vous allez sur Instagram ou sur Facebook. Donc voilà, bonne journée à tous. Bonne soirée à tous, parce que ça dépend d'où vous regardez aussi, parce qu'il y en a qui sont de la journée, etc., dans certains pays. Donc voilà, bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!